Bonjour, alle herzlich willkommen auf diesem Webinar über sanitäre gesundheitliche Aspekte im Zusammenhang mit der die nächste Mendig an der Grundschule und an den Kompetenzzentren. Es geht im Laufe der nächsten anderthalber Stunden um mäßlich viel früher zu einfahren und um hoffentlich dazu beizutragen, dass die Eltern hier Kanada 5 diese mit ruhigträgeern Schulschien und dann senior hier Schülerinnen und Schüler so mal ein bisschen manner bedenken empfenke können sie schon ein ganzfroen Raku ihr könnt aber auch immer nach Ru stellen Ivo whatsapp der da das Nummer 6 21 44 sich per E-Mail auch ob der Adress webinar@. Die können früher auch ran telefonieren, da gibt es sogar abgeholt, oder vielleicht sogar Rack gespielt. Äh, Nummer vom Responder aus der Feira 4400 sich 44 111. Kann so ich, ich äh, wiederhole die Nummern gleich nach ein paar Minuten. Wir haben alle zu Antworten oder möglichst viel wie gesagt. Ein, sind drei Doktoren hier, die alle drei am pädiatrischen Bereich schaffen, alle drei am psychiatrischen Bereich mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Infektionskrankheiten bei Kanada das ist zum Beispiel die spezielle Domain von der Dr. Isabelle De Lafuente, äh, den Dr. Jean-François Vervier als Kanada Psychiater. Hier weiß also warten, der Kanada ihre Kapsel geht. À Dr. Fernand Paul, qui est un peu plus intéressé à la question de la ménage et de la de la Bienvenue à vous tous. Merci d'avoir accepté Merci. de participer à ce format. Avant de nous consacrer aux interrogations de celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent, euh, docteur de la Fuente, pourriez-vous nous éclairer brièvement sur les résultats des études et recherches les plus récentes Le virus est-il effectivement moins dangereux pour les enfants que pour les adultes Et la maladie est-elle effectivement moins grave chez les jeunes Tout à fait. Donc, euh, pour le moment, les données, et ça encore malgré ces données maintenant avec le Kawasaki, montrent. Que le virus et les enfants sont moins malades et en cas de maladie, sont beaucoup moins graves que les adultes. C'est surtout une maladie de la personne âgée et les cas sévères restent essentiellement chez les, chez les personnes âgées. Vous, vous venez de parler du symptôme ou du syndrome ouais. de Skawazaki. Peut-être un petit mot là-dessus? Le syndrome de Kawasaki, c'est une maladie qu'on connaît, un syndrome qu'on connaît déjà depuis plus de 50 années. Il y a récemment, dans les dernières semaines, euh, un lien qui a été fait temporel entre les infections à coronavirus et une augmentation de cas de Kawasaki et également une maladie des, des tableaux semblables au Kawasaki. Pas toujours exactement la même chose, mais semblable. Euh, ça reste quand même des situations très rares. Euh, quand c'est qu maîtrisé, et ça reste quand même rare. Même si nous sommes mmh. encore en train de surveiller, même si nous sommes encore de, en train d'investiguer, ça reste rare. Donc, pour la majorité, ça reste une maladie bénigne pour l'enfant. Les derniers chiffres euh, le confirment. D'ailleurs, aucun décès. C'est les chiffres de hier. Aucun décès jusqu'à hier chez les moins de 20 ans. Un jeune patient, tout jeune, moins de 4 ans en soins normaux, deux patients entre 10 ans et 19 ans en soins intensifs et très peu d'infections actives chez les moins de 15 ans. Ce sont donc les données des statistiques publiées hier en début de soirée. Qu'est-ce qui est fallu? Dans le cas de la carnaque, qu'est-ce qui est fallu? Il y a 50 ans, ici au pays, il y avait un Dr. Pauli Moussizou, mais mon date concernée, ça ne l'a pas été. Il a été interviewé pendant 4 semaines et a dit « Maman, nous ne pouvons pas faire ça. » Er moment kom, wo dir giftft soen das kollateral schiiert diestin durch nett an Schulguren, dass die Uenke mé groß wie de Gesundheitsrisiko, den äh, man engem Ne an Schulguren zu summen hängt eventuell hm? so resümierts ganz klo bei ver das so, dass ich ganz gut vorstin all die Leid, die viech, Mammsinn, Papsinn, Großpapssinn, die sich soch machen. Aber als solche, die sind nicht mehr in der Verhältnismäßigkeit zu gucken. Wir hatten zum Beispiel für die ganze Saison noch 10 Nächte, die besetzt werden an der Reanimation von Covid-Patienten beim Kant Da das 1 auf 1000 von den Nächten, die für Immun-Karne die Erlebnisgefahr sind, weil leider dort immer Karne die sterben, mit die aller, aller die schwer erkrankt sind, der die noch zuletzt zu Lötze, die haben kein Covid. Leider dort weiß man aber auch, dass alle Kriterien, und gerade beim Kawasaki-Syndrom, das so, wir wissen nicht, wie betreffend es ist. Da kann der beste Schwimmer sie vom Swimming-Club, da kann der beste Tennisspieler sein, da kann noch ein eherer Meister die mal kennen, wenn der chronisch erkrankt ist. Dafür ist das etwas unberechenbar ist, wie bei vielen Kanadern. Das Verhältnis dass ist mir wichtig, dass Sie mich darüber angeschaut haben, die Stimmen, die Sie zum Beispiel schon mich brav äh, für Haut, was Beispiel auf der Seite der Amerikanischen Gesellschaft von der Kanadoktrin, die haben als ersten Punkt für Kanadoktrin nicht der Covid, die haben als Punkt plus 330% Hospitalisationen für autoaggressiv Verhalten. Dann haben Sie als zweit lechte Wand er der 100 vuéiert stoger docht Gripp op vull den Imp vun get. Angentwo en Reizheile mitéif de COVID3 bis 4 do bei amerika Kannerwerfelechte COVID bedenkt. All schwéier krankant ass immens wichtigg. mé muss an ennner Proportitéit blei, er kann na derwer han leeren vu loo, Hört hat stärkere Verhaltensprobleme. Er hat denstens eine Saison, die für 15 Jahren 2,2 Gramm Alkohol am Blut. Kann er die verkümmern, vielleicht kann er deutsche Kollege sagen, kann er die gedacht sind, wo man nicht mehr weiß, wo sie draußen sind, kann er wohl Mammen, also so einem Stress leben, weil sie in einer virtuellen Panik sind. An irgendeiner Normalität muss er kommen, zu der Normalität, der Scholl. Ich habe mir Die let Belkanner Dotrin, die Dänisch Kanner Doren, die enle Kanner Do, die Amerikaisch Kanner Dokren, die Belsch, die Franzesich, dun alle Britten Statement geat, den enlig wär wie den, die mir firn op paarer woche gemat hunn. So mm -hmm. mm -hmm. so mm -hmm. Bei mir einfall konntet fir paarer woche mat mir sinn net zuviel. Die aner Dünn do miss en gent Staat vun No bis sie dann besmachen Bei Eis Esch a Vols dosinn mesel ja 1s. Docteur Vervier, on a beaucoup parlé ces derniers temps de l'impact du confinement sur la santé mentale des adultes. Euh, comment les, les enfants ont-ils vécu ces dernières semaines Est-ce qu'il y en a parmi eux qui ont pu vivre cette période comme traumatisante? Le premier disons mot qui me vient à l'esprit par rapport à votre question c'est la question de la vulnérabilité. Le terme de vulnérabilité été introduit euh, actuellement dans même les mesures sanitaires. Et je pense que c'est un terme qui, à mon avis, permet de penser la vulnérabilité multiple. Je pense qu'on a parlé de risque de vulnérabilité euh, au, à l'exposition au Covid, mais je pense que la vulnérabilité est vraiment en soi euh, l'idée que l'on peut tous être blessé par quelque chose et que. Ça peut être aussi à une exposition euh, à un environnement, euh, disons compliqué, difficile. Ça peut être aussi une vulnérabilité intrinsèque à la à la, à la personne liée au, au, au handicap. Et ce terme-là doit, euh, à mon avis, continuer à être utilisé pour mettre en place des mesures, euh, disons qui soit multifactoriel, multidéterminé Et je pense que l'impact de l'isolement est évidemment quelque chose de très important. Et dans ce sens, que... la reprise des écoles est importante CER, aussi. Hein, C'est clair que la vulnérabilité multiple, quand on est enfant autiste, que l'on a une mauvaise santé, qu'on euh, a des problèmes d'obésité diabétique et que l'on vit dans un 50 mètres carrés avec deux autres frères et sœurs, je pense que la notion de vulnérabilité doit être pris dans un sens très global et très, très concret. Et ça nous fait réfléchir sur quelles sont les mesures prioritaires globales qu'il faut, qu faut prendre et comment mesurer le, le moindre risque. D'accord. Vielleicht wundert er mich, dass ich den äh, Edukationsminister dann nicht äh, mit abbezunehmen, ob schon darin, ob der Vue-General wahrscheinlich schon äh, obliegt, den Claude Meijer sei mit das bewusst, dass er äh, nach Mufangelo nicht nach Wolster und hin, dass für Not zu leustern. er wird dann zum Schluss auch über ein äh, frohe Antworten nachdenken. Es geht damit nicht um ähm, irgendwelche politische äh, Decisionen, die eventuell kontestiert gehen, die sogar ziemlich sicher kontestiert gehen, das kann ich auch an der Kommunikation an einer Briefe lesen. Es geht damit nicht ähm, gesundheitlich Sanitär Aspekt Herr Minister das so an zum Schluss vu der Tablerandär dir dann noch nach Konklusion. ganz He nach just ich het ugeündig ich hat die 3 W vier froh ran die könnt per WhatsApp iw 621, Iwer Telefon der 444 mat der Extension 100 Elefanten run. ou il notre e-mail l'adresse webinaire à voilà Voilà. Dans la dernière une autre question qui s'adresse à vous, Docteur de la Fuente. Elle nous a été envoyée par Madame Gwen Lai, qui semble être enseignante et qui se pose la question à partir de quel moment elle, elle, elle doit renvoyer un élève à la maison? Est-ce que la fatigue est un signe qui devrait la préoccuper? Est-ce que l'atout en est un? Euh, des problèmes de vue, mal de tête, mal de ventre? Quels sont, quels sont les symptômes qui doivent alerter l'enseignant? Donc, de un, hein, la première chose, c'est que c'est une infection aiguë. Donc c'est des, des symptômes aigus qui arrivent à un enfant, donc c'est pas des symptômes, euh, c'est pas du tout des symptômes chroniques. Donc un enfant qui arrive qui a des nouveaux, des nouvelles plaintes, donc qui arrive avec un nouveau état fébrile, une fièvre, une toux et des symptômes respiratoires comme des difficultés respiratoires euh, doivent conduire à adresser cet enfant pour un test diagnostique. Est-ce que la fatigue tout seul est un signe de... spécifique de coronavirus Pas du tout. Alors il faut toujours avoir un peu de bon sens et mettre ça dans un contexte. Un enfant qui revient, qui n'a pas bien dormi, qui a d'autres raisons d'être fatigué et qui est uniquement fatigué, ce n'est pas une raison d'alerte. C'est pas une raison pour ne pas se préoccuper de pourquoi il est fatigué, mais ce n'est pas une raison de faire un test. Le, le changement du rythme si peut l'expliquer. Tout à la fait. Limite. Il y a beaucoup d'autres oui. raisons et donc une fatigue isolée, surtout pour les petits enfants, n'est pas un signe ni ni sensible ni quelque chose de spécifique pour le coronavirus. La fièvre, la toux, les difficultés à respirer ou des signes infectieux aigus, c'est des symptômes qui doivent conduire à consulter et faire un test si nécessaire. Et à renvoyer l'enfant. Euh, Tout chez à fait. Lui. Voilà. Oui. Euh, pourquoi ne pas être aussi strictes au niveau des symptômes chez les enfants comme on le fait chez les adultes, surtout en considérant que dans les établissements scolaires pour enfants âgés de, entre 0 et 6 ans, il faut être plus flexible sur d'autres règles, comme le port du masque, par exemple, qui est déconseillé pour les petits enfants, ou la distanciation qui est plus euh, compliquée à, à gérer avec euh, des petits. C'est question qui nous a été envoyée par Mme Gréco, Béatrice Gréco. Donc, le mot strict, j'arrive pas très bien à le mettre dans la question parce que je trouve qu'on est plutôt très flexible justement avec les enfants. Donc, la politique que nous avons eue jusqu'à maintenant, c'est de tester très largement les enfants. Et donc, effectivement, on va tester même des fois plus large que pour les adultes. Donc, des fois, on comme j'ai dit c'est en cas de tableau aigu même des fois digestif, euh, une toux isolée, on va faire des tests très facilement donc je n'ai pas l'impression que et pas l'impression non plus que c'est le message du tout des ministères jusqu'à présent c'est de dire on teste moins les enfants et on est on est plus strict, n'est pas du tout les cas on reste très flexible et on peut tester très largement les enfants du moment qu'il y a une, une inquiétude clinique et une raison clinique pour le faire. Mais donc ce n'est qu'à partir de symptômes aigus qu'il faut réagir les symptômes légers c'est une question qui nous ah, les... est posée euh, également. Non, est donc y a les, aussi? Symptômes, ouais, les symptômes légers, ça, ça, ça revient un peu à la question qu'on a eue avant. Donc pour nous, une toux avec un enfant qui l'a bien, qui n'a pas de difficulté respiratoire, mais qui aurait une petite fièvre avec une toux, reste mmh. un motif de faire un test pour le coronavirus. D'accord. Je Je pense que immenses informés dans le Je pense que de l'enseignant. den Douanier de Dakontroll ze machen bei de Kanadiira kommen. Mhm. Ich meinen die danszen Challenge vun dem CoVI diemmer nëmme gewannen van delren an den senior han an Hand man nicht spielen. muss den älterre Sohn kommt net man der kann an show, wann diet krank fiel. Sie sind secher méi kompetent, wie ich den Ä vier ze Sohn, man kann das net wes. da er net antro kommen. Und das net um Seorfir do musskontroll ze wie an dem Flughafewerte wannch den Well äh, noch net unbedingt will, selber sichch als konfrontiert sie den Kant wat eventuell de Virus hat. Ich meine 90,9 Prozent vun den Eltern ja. sie precupéiert mm. vun dersont von ihrem Krat sie bring net an Show von CoVI. Dat vertrauen Hu. Une question euh, sur euh, la euh, transmission, le, le risque de que le, le virus soit transmis euh, à une enseignante. Euh, on parle du préscolaire, là, mm -hmm. plus précisément. Euh, Qu'en est-il de la probabilité mm -hmm. Donc, La probabilité, la vérité, c'est qu'on ne le sait pas, mais on sait que c'est une probabilité faible. Donc, euh, bah, le risque zéro n'existe pas, mais on est suffisamment rassuré par les observations qu'on a eues depuis le début de la pandémie pour dire que les sans-fonds sont quand même moins contagieux et qu'en plus avec les mesures qui sont prévues et les, les, les mesures données par le, le ministère de l'Éducation, le risque va rester un risque faible et surtout beaucoup plus faible qu'avec d'autres virus. Donc ça, c'est important, c'est que par rapport à d'autres virus comme l'influenza, qui par exemple pour les enfants, est un virus beaucoup plus grave et beaucoup plus mortel. Donc la grippe classique. Sait, la grippe, voilà, le virus mmh. de la grippe, on sait que les sans-fonds sont très contagieux et sont font partie en fait du noyau de la population qui font la transmission du virus. C'est le contraire avec le coronavirus. Donc les enseignants ont beaucoup moins de risques d'attraper le coronavirus de élèves que d'autres virus qui peuvent être dangereux. Et c'est le risque estimé comme un risque faible.

Respekt vu Reelenké, okay, me e bisse muss de gesundde Mënsche verstand och mat spielenen, A datwer der wild du ma dous strikken.

plus fiable pour savoir si quelqu'un a déjà attrapé le virus. Oui, donc pour le moment, il n'y a pas un test plus oui. fiable que tous les autres. Et il y a différents types de sérologie et ça se base tout sur le même principe. On détecte les anticorps, donc on détecte si le corps a fabriqué des anticorps, qui serait un signe que le corps était en contact avec le virus. Et donc il y a différents types de, de kits de sérologie, on va dire, qui détectent différents types d'anticorps. Et donc, euh, et donc c est, c est, voilà, dépendamment de sur quelle population on l'a testé, dépendamment d'à quel moment on a fait le test, on peut avoir des meilleurs résultats ou des moins bons résultats. En gros, il n'y a aucun test qui sera jamais 100% fiable. Et c'est le cas pour toutes les maladies infectieuses et c'est le cas pour les sérologies. La sensibilité, quand même, reste grosso modo bonne. Et donc, euh, il y a des tests qui détectent surtout les CGA. Les ah, ça, c'est des anticorps aigus. Donc, c'est des anticorps que le corps fabrique dans les jours après l'infection. Et il y a un autre type d'anticorps, c'est les immunoglobulines de type G, les CGG, et ça c'est des anticorps qu'on fabrique un peu plus tard et ce sont des anticorps qui généralement euh, euh, reflètent une certaine mémoire, une mémoire de, de l'organisme pour reconnaître de nouveau le virus. Si on devait se retrouver de nouveau en contact. Et donc, on sait que pour les CGA, c'est des tests qui sont un peu spécifiques. Donc, on peut se retrouver des fois avec des faux résultats positifs. Et donc, maintenant, il y a certains kits quand même qui font des CGA et des CGG et d'autres kits, en fait, qui font d'emblée tous les types d'anticorps ensemble dans le but d'être de, de, un peu plus spécifique, d'avoir moins de réactions croisées avec d'autres virus. Donc, voilà, c'est un peu ça les, les chiffres qui circulent. Après, il faut savoir que, bien sûr, il peut y avoir des gens, mais ça reste quand même des faibles proportions des gens qui vont pas fabriquer des anticorps après une infection. Ça reste quand même des chiffres bas et donc généralement les tests c'est plutôt des tests qui peuvent ne pas être suffisamment spécifiques. Donc on peut avoir un test faiblement positif parce qu'en fait on a eu la mononucléose ou un autre coronavirus ou n'importe, ou plutôt que le fait d'avoir des, des faux négatifs, c'est pas fréquent. Mais qu'est-ce qu'on sait exactement euh, sur l'immunité On ne sait pas tout. On ne sait pas tout, parce que pour pour ce, finalement, que pour vraiment, vraiment savoir à propos de l'immunité, il faudrait voir parmi les gens qui ont fait la maladie, parmi les gens qui ont fabriqué des anticorps, en cas de contact avec le même virus. Voir si on retombe malade ou pas. Donc, euh, finalement, c'est impossible à ce stade-ci, à part des modèles animaux, à part des, des, des modèles sur des très courtes périodes de, de temps. Donc, on ne sait pas et il y a beaucoup des facteurs qui rentrent en compte. C'est l'immunité individuelle, c'est le virus, est-ce que le virus a changé d'un moment à l'autre, etc. Alors, on peut imaginer que, quand même, il y a une certaine immunité et donc on espère qu'après une infection, au moins pendant quelques années, une certaine protection. Mais à ce jour, on ne peut pas garantir à 100% que le fait d'avoir eu l'infection, nous protège contre une infection ou une complication ultérieure. Et donc, les recommandations pour le moment, c'est que même si on a eu les, la maladie, on suive toutes les consignes d'hygiène qui sont recommandées. Plusieurs questions sur, euh, dans, dans un chapitre euh, Vulnérabilité. Donc, quels sont les risques pour les familles où la maman est enceinte Quelles précautions particulières y a-t-il à prendre C'est la question de Mme Pauli. Mmh, très bien. Donc, euh, bon, les les bonnes nouvelles jusqu'à date, et on a quand même déjà un recul sur plusieurs mois et plusieurs millions de personnes infectées, sont plutôt rassurantes pour la femme enceinte. Donc, jusqu'à date, on n'a pas l'impression que les femmes enceintes s'infectent plus souvent et on n'a pas l'impression qu'en cas d'infection, la femme enceinte fait plus de complications. La troisième donnée rassurante, c'est jusqu'à date, il n'y a pas de, a pas de, de no, données montrant que l'infection pendant la grossesse a un effet euh, dangereux pour le fœtus et pour le bébé naissant. Et l'autre chose, c'est que Jusqu'à date, on a l'impression qu'il la... y a très 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 peu de bébés qui se sont infectés dans les premiers jours de vie d'une maman qui était infectée. Donc ça reste extrêmement rare et c'est probablement voilà dans la plupart des cas postnatal. Et la plupart des bébés qui se sont infectés, même jeunes, vont bien et n'ont pas fait des manifestations graves. Donc tout ça est très rassurant. Maintenant, on garde quand même toujours une, une forte prudence et c'est pareil qu'avec d'autres groupes de vulnérabilité pour les enfants qu'on s'est dit ils sont potentiellement vulnérables, même si on n'a pas de données dans ce sens-là. C'est pareil, on fait bien sûr beaucoup plus attention avec la femme enceinte parce qu'on sait avec toute infection, par exemple en cas de fièvre. Il y a plus de risques de contraction parce qu'on sait que le système immunitaire peut être, peut être un petit peu plus faible et donc on, on fait attention et donc on, on insiste sur les consignes d'hygiène, de lavage de mains, etc. pour les femmes enceintes. Certains pays se posent la question s'il faut considérer les femmes enceintes comme un groupe vulnérable, donc c'est-à-dire voilà les, les garder plus à l'écart du reste de la population, les garder. Il voilà, y, y a un questionnement. On a, voilà, Comme j'ai dit, il n'y a pas de données dans ce sens-là, mais certains pays mmh. utilisent cette politique-là tout simplement pour bien les protéger en attendant d'avoir plus de, plus de données. Mais les données scientifiques, c'est la même chose sur les sites de grands experts, c'est que jusqu'à date, on n'a pas de données euh, inquiétantes ni dangereuses pour ce groupe de, de population. Euh, Est-ce que les enfants souffrant d'asthme ou de, bronchi, euh, de bronchite chronique sont à considérer comme vulnérables mmh. Donc on n'a pour le moment pas toutes les réponses sur les, les groupes vulnérables d'enfants parce que voilà, ça nécessite encore une analyse de tout ce qui s'est passé pendant l'épidémie et un échange de, de données dans tous les pays. Mais quand même... Jusqu'à présent, on a l'impression que non. Et on a déjà échangé. Donc, chez nous, euh, chez nous déjà l'expérience au Luxembourg, c'est que nous n'avons pas eu, euh, eu d'enfants asthmatiques ou même, de fois, nous, les pédiatres, on aime le terme hyperréactivité bronchique. Sûrement, les, les parents de jeunes enfants connaissent ce terme. C'est des enfants qui font beaucoup de bronchites. Ils ne sont pas forcément d'asthme. Mais chaque hiver, ils, oui. voilà, à deux qui s'attrapent un rhume, ils soufflent, ils toussent, etc. Et donc, dans notre population d'enfants hospitalisés, on n'a pas eu d'enfants avec des, des infections nécessitant l'oxygène. Parmi ce groupe-là, alors que c'est ce sang-fond-là qu'on a chaque hiver hospitalisé avec de nouveau le virus de la grippe ou d'autres virus respiratoires. Et c'est la même chose. On a eu comme données des sauts de pays, on l'a partagé avec les Américains, les Anglais, les Italiens. Et donc, les enfants asthmatiques, contrairement à ce qu'on voit chez les adultes, ne semblent pas plus fragiles avec ce virus que d'autres. Il y a maintenant une grosse étude aux États-Unis pour avoir voilà, des données euh, encore plus solides où ils vont suivre une grosse cohorte d'enfants allergiques et asthmatiques. Ils vont le suivre dans les temps, ils vont le faire des frottis systématiques et donc ils vont essayer de, de, de corrover encore ces euh, trouvailles. Mais jusqu'à date, mmh. voilà comme j'ai dit, la plupart d'enfants asthmatiques Semble mieux se comporter avec le coronavirus qu'avec d'autres virus. Ce n'est pas pour autant de nouveau, par question de prudence, dans la liste d'enfants vulnérables, on s'est dit bien sûr s'il y a des enfants gravement malades, donc avec des spasmes très sévères, mais ça reste quand même très, très, ouais. très, très, très rare. Donc là, on parle des enfants. Qui font des hospitalisations ou soins intensifs, qui ont des crises extrêmement graves, qui ont un, un, un traitement chronique et que malgré cela ils sont hospitalisés. Parce que là on les a quand même mis justement en attendant ces données américaines, en attendant d'avoir tous les données sur papier, on les a quand même mis dans le dans le dans la liste de nouveau surtout par prudence. Mmh. Il faut, faut toujours garder à l'esprit que c'est une, une, une maladie très récente, euh, même si aujourd'hui on sait beaucoup plus qu'il y a ouais. deux trois mois, on sait toujours pas tout. Hein. On sait toujours pas tout, mais bon, il y a quand même déjà plusieurs millions de personnes ouais. infectées, et c'est vrai qu'il y a eu un, un énorme effort et je trouve une énorme collaboration. Donc nous, en tant que pédiatre, il euh, y, y a eu beaucoup de choses très difficiles, mais le côté positif a été qu'on a échangé énormément d'informations entre tous les pays, entre tous les experts, et donc on a essayé de maintenir les, les données en direct, et donc on a énormément partagé. Donc oui, et les nous et on apprend encore chaque jour de nouvelles choses, mais quand même on a déjà suffisamment de données solides. Et on a, même s'il n'y a pas eu le temps de tout publier, on a partagé en solide. On s'est réuni régulièrement avec les collègues de sous pays pour savoir qu'est-ce qui était en train d'arriver chez les enfants, et pour finalement arriver tous aux mêmes conclusions, comme disait Docteur poli Ce n'est pas qu'un message des pédiatres du Luxembourg, c'est que les pédiatres dans le monde passent le même message. On veut que les enfants puissent maintenant retourner à une société. Plus normal parce que finalement, ce qu'on a jusqu'à maintenant est rassurant. Ça ne veut pas dire qu'on ne surveille pas, ça ne veut pas dire qu'on reste très attentive et qu'on continue mm. à tout analyser, mais quand on met tout dans la balance, on est suffisamment à l'aise maintenant pour passer ce message. Et comme j'ai dit, c'est vraiment un message mondial au niveau des professionnels de la, de la petite enfance et des enfants. Mais quand Je oui. oui. Pneumologe vom Kant das ist ganz klar, wann er kann für sein Asthma. Auch die inhalier die brauchen braucht, da sollen sie unbedingt weiterführen. Die du zu Gileas ganz mal recht. Die Juwelsen, die für eine Schleimkrankheit höchste Dosis Cortison brauchen, die sie vielleicht mehr uffällig für die Covid. Mit einer, die guten Etilie an ihrer anirasmat mit dem cortison Mmh, okay. Une dame qui était atteinte d'un cancer nous écrit, euh, elle a suivi une chimiothérapie, une radiothérapie euh, et elle dit qu'elle a des défenses immunitaires faibles depuis. Est-il conseillé que mon enfant aille à l'école, sachant que depuis le confinement, toute la famille reste à la maison, en se faisant, en se faisant même livrer les, les courses? Oui, donc c'est des questions qui ne sont pas 100% faciles à répondre. Euh, de nouveau, l'idée générale, c'est que oui, l'enfant, il peut aller à l'école. De nouveau, dans l'idée que finalement, le, le, le risque que l'enfant attrape le coronavirus à l'école reste faible. Après, je crois qu'il y a des recommandations générales. Et après, il faudra voir individuellement. Chaque situation est différente. Donc. Tout va quand même dépendre beaucoup de la situation de la maman. Si on parle d'une maman qui est actuellement très, 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 très immunosupprimée, qui vient d'avoir une greffe, par exemple, de moelle dans les deux, trois dernières mois, ou qui est maintenant avec une chimiothérapie très, très lourde, que cette maman a fait déjà énormément de complications infectieuses, que voilà, ben. Bah il y aura toujours en fait des situations exceptionnelles où peut-être on va dire, bon, bah, pour les prochaines semaines, on, reste le, on garde l'enfant à la maison. Mais en règle générale, pour, pour une maman qui aurait un cancer, qui a eu une chimiothérapie euh, récente, le plus important va être quand même de garder tous les sauts de consigne d'hygiène, voilà, de faire très attention, en fait, de ne pas se mélanger entre adultes, voilà, de, de garder toujours un cercle familial et social réduit, de ne pas s'exposer à des foules d'adultes. Je pense que ça va être surtout là le risque que son enfant qui va aller à l'école avec une classe d'élèves réduite, où il y aura déjà euh, un distensionnement physique, un peu de contact avec adultes, et où chaque enfant symptomatique sera retiré et testé. Donc le risque est faible. Et de nouveau, il faut voir le cas de l'enfant. Probablement que cet enfant a énormément d'autres motifs positifs d'aller à l'école au niveau des stress. Donc, euh, donc voilà, je crois qu'il faut quand même toujours adapter au niveau de chaque famille, au niveau de chacun. Mais en règle générale, c'est son enfant-là, il peut falloir aller à l'école. Madame Sarah Valéry se pose la question euh, concernant le risque que les enfants se transmettent le virus entre eux, les, mm -hmm. les petits enfants de moins de 6 ans qui ne peuvent pas porter euh, de, 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 de masque et qui, qui jouent ensemble, et évidemment sans, sans respecter le, les deux mètres de distance. Euh, Est-ce qu'il y a un gros risque est-ce qu'il y a un gros risque A priori, non. Voilà, c'est la, la même chose qu'on dit un peu depuis le début. C'est clair qu'on n'a pas encore toutes les réponses. C'est clair qu'on sait que les petits-enfants peuvent être infectés, peuvent porter le virus et peuvent avoir une quantité de virus semblable aux adultes, semblable aux ou, ou, ou personnes plus âgées maintenant. Et ça c'est l'observation qu'on a eue dans plusieurs pays maintenant sur plusieurs mois euh, l'expérience finalement clinique l'expérience des observations qu'on a fait montre qu'on a eu très peu des clusters au sein de et même des petits enfants des crèches comme disait docteur poli on n'a pas eu de clusters les, les crèches pour les personnels du CHL sont restées ouvertes pendant les pics de l'épidémie et il n'y a pas du tout eu des cas en fait au sein de ces groupes et on a des expériences aussi dans d'autres pays où on a repéré des enfants positifs on a retracé après tous les contacts et on a pratiquement pas trouvé de contact positif parmi les enfants qui étaient dans le même groupe. Donc ces observations montrent que les enfants semblent vraiment moins contagieux. Maintenant le risque zéro bien sûr il n'existe mmh. pas, il peut y avoir toujours un petit risque mais de nouveau c'est toujours le même message. En fait le risque qu'un un petit enfant passe le coronavirus à un autre enfant est beaucoup plus faible que celui d'autres virus respiratoires et ça aussi on l'a observé. On a eu des enfants qui se sont infectés avec le coronavirus, on a retracé tous les contacts. On a par exemple un cas, c'était c'était un enfant un peu plus grand, 8 ans. On a retracé tous les c'était au début de l'épidémie en mars, quand on avait encore la grippe et d'autres virus respiratoires. On a retracé tous les contacts. On a repéré que cet enfant avait passé la grippe à d'autres enfants, mais on n'a pas du tout retrouvé du coronavirus. Donc, euh, de nouveau, tout ça est plutôt rassurant et il faut tout mettre dans la valence, comme on disait. Donc donc voilà, pas de risque zéro mais un risque qui semble faible et qui va continuer à être surveillé. Ça c'est important, on continue à récolter les données, on continue à essayer de comprendre ce qui se passe. Donc ça va rester très surveillé, mais un risque qui semble vraiment faible. So fro in Dr. Paul Schmegen Update die kennt Anfatte net geht du im Schutzmaßnahmen geht du äh willst sondern kell wissen wann kann immer gut te handwaschen oder gibt ne situations wo sie sich sollen hen desinfizeieren engemll um, an diezweetfro die, die beëssen dummer ze summen heng den dé Effektktor ass de net schle firtaut äh, vun de Kannerspektiv ass irgent Risiko fir sie, wann ja, se äh, den fan an de Montllen anneps äh, vun dem Gelll ofschlikcken. Äh, decher d Hydroalho lei so nennt, dat selbst firm mecht van de gut faul ass dat dit am sejaste fir hun mir Doktoren mund in dotten hysterschfle ma mir an d Drchmolul am Dach, Geet villmi säier wie Wammers de Faangre wäschen. Fiiert kannner an de monttun schmechnet gut, deken proéieren, me Kan er die netsäier do hunn nach uh, ugelagel. Schun heb sech wennnig ich men sech so, wann am da kënt, dats mir vorfirkommet brent abel. Dir gewäschmid de yeah. brennt. defir en seef, Geellilig sinn, fir wies fanrendreche sinn, Auf und dann probieren, den andreas immer möchte, dass er sich auch tut. Als ein äh, scheif ein Schutz, den auch an der Schule, gibt ja auf viele Plätze, ich meine an der Käse am Supermarsch, äh, auch auf vielen anderen Plätzen, auf äh, Büro, wo es auch also so hingeht, wäre das auch ein Modell, der kein Telefon an der Schule, am direkten Kontakt zwischen dem Enseigner und dem Schüler. Also ich si, sehe, es ist nicht nur der Enseigner, doch, meine Damen und Herren, man ha allmar Re respekt fir all die Toleginnen an de Supermar schwien, die ei ochchs Brotvoll haf wo vu dTeläxi Dinners an déi secher viel méris déier hunn, wéi eis mécht troll Kollegner Kolleginnen. De Plätzit lass heins doris.g gesinn der bei mir an der Klinik van se net fest ofdien an ste se Kan do wiederder, dann huet den de Plätz op der Nes an um Brell an datet net gut. Et tellft firet direkt spruudlen. Lo, äh, an Prozent men materilege konfinéierte Raum de net geufftëtt, do sinn awar Pn an der Luft, so dasss de Pläxi och nëmmen zum Deel schützt der der gut, ja, an Narter Drpasseltt dat se net geféierle ass an Narier an de Schauen, dat das net nemsfir an ennner Intensivstationioun an Italien nach Spaniien, wo Patient, Stragas dauernd of oft jetzt du einreich weil es net geschützt hun dann van den kleinen Kan schnappert of an do ein Schnnydel matre da das net vergleichbar am ja, Risiko zu Berg am Mon März äh, De un, je devais dire, parce que nous, on porte des plexiglas quand on a une unité Covid, c'est très inconfortable. Hein. Euh, on n'a pas une vision claire, on se sent quand même euh, très renfermé. Donc, c'est n'est pas quelque chose de confortable. Et moi, ce n'est pas quelque chose en tant pédiatre, comme maintenant, je recommanderais pour le port des enfants, parce que c'est n'est vraiment pas quelque chose d'agréable. Et de nouveau, comme disait le docteur Pauli, euh, au, niveau de, au niveau des... Si on analysait des matériels de protection dans les centres dans de soins intensifs, etc. Et finalement, les, les lunettes... Était vraiment pratiquement pas. pas on ne trouvait pas des particules virales au niveau des lunettes. Ça reste vraiment au niveau du nez, au niveau de, au niveau de la bouche. Et donc, dans, dans un contexte comme l'école, où euh, voilà, on ne va pas faire des gestes invasifs, on ne va pas aspirer, on ne va pas toucher les cieux, euh, je pense que le, le, le fait de devoir porter quelque chose pour couvrir les cieux n'est pas, pas nécessaire. Docteur vervier comment faire pour. Rappeler régulièrement aux enfants de respecter les consignes, euh, les consignes de sécurité sans pour autant leur faire peur Quel est le bon équilibre à trouver Je, je pense que pour les enfants, c'est important que, d'autant plus que les mesures euh, touchent les mains et la bouche, que ces deux zones puissent être investies à la fois comme euh, facteur de protection. Le lavage des mains est quelque chose de très important le port du masque est aussi important. Mais de faire comprendre aussi aux enfants que les mains et la bouche ça sert autre chose que à transmettre le virus et que les mains sont doivent être particulièrement investies aussi par les enseignants, par les parents aussi. C'est la possibilité qu'un enfant utilise un outil pour avoir une action sur le monde. De même la bouche, c'est aussi un lieu de plaisir mais aussi un lieu d'expression de, et de pouvoir vraiment ventiler à la fois les mesures euh, de protection et d'hygiène qui sont assez importantes, mais de faire comprendre aussi aux enfants que euh, les mains et la bouche, euh, le visage, euh, participent aux apprentissages, participent au, euh, au partage des émotions, participent aux activités. Donc je pense qu'il faut rester assez raisonnable, en gardant évidemment le cadre qui a été très clairement rappelé par mes, 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 mes collègues, mais également que... Euh, ça leur donne aussi une possibilité de zone de plaisir et de zone de peur. Je pense à un enfant euh, que, qui est suivi chez nous dans le service de pédopsychiatrie qui euh, montre des signes qui pourraient montrer euh, un diagnostic de, de dyspraxie, de difficulté d'utiliser ses mains, mais simplement parce qu'il n'ose plus investir ses mains comme outil de travail et qui a une prise sur le monde. Donc je pense qu'il faut être toujours équilibré. Les enfants ont toujours l'art de trouver dans une situation difficile un côté positif. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le confinement. Le mmh. confinement a à la fois révélé des fragilités et à la fois a révélé des potentialités. Je pense qu'il faut garder toujours ce juste équilibre entre les uns et les autres et je pense que ça va être un fameux défi. Oui le retour à l'école aussi. C'est ce justement l'idée euh, qui revient dans une question de M. Patrick Nospush qui dit qu'il euh, est, qu est clair qu'il faut toujours rappeler euh, aux enfants de respecter les gestes barrières, mais, mais qu'il faut quand même faire en sorte qu'ils qu aient plaisir, qu'il y ait des choses positives dans, positives dans leur vie. Euh, je le dis en luxembourgeois, parce qu'il y a un joli mot luxembourgeois. Un beau mot, euh, trop peu utilisé à mon goût euh, de nos jours. Est-ce que c'est prévu Est-ce que ça restera possible ou est-ce que là, en tant qu'enseignant, il faudra intervenir je, je pense que. Vous savez ce que c'est, Rolsen bien, oui, oui. bien sûr, Rolsten, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être euh, du, du plaisir comme ça peut être très vite ouais. dégénéré aussi. Euh, je pense qu'il faudra certainement que les enseignants développent une très grande créativité pour euh, pouvoir. Euh, euh, L'enfant trouve à l'école aussi des moments de plaisir euh, qui utilisent son corps. Je pense que ce sera évidemment quelque chose de, qui est un enjeu assez important. On, enfin, on peut imaginer les conséquences pour beaucoup d'enfants la suppression des cours de gymnastique, la, la, la suppression de, de la natation, qu'il faudra, à mon avis, compenser par euh, la possibilité de découvrir par exemple la nature ou de faire des activités qui procurent un réel plaisir. Je pense que cette notion du plaisir est quand même un des moteurs des apprentissages. Donc, je pense qu'il faudra vraiment trouver l'équilibre entre l'un et l'autre. Et mmh. Rolson, ça peut être du plaisir quand euh, ça se passe dans les conditions de sécurité et qu'on ne se blesse pas les uns et les autres, tout comme euh, de pouvoir euh, se protéger aussi du, des, des, disons, des mesures barrières minimum. Donc, je pense mmh. qu'il faut très fort euh, pondérer et avoir une très grande créativité. donc as parlé. Ich bin viel noch nuanciert, Wenn Dr. Werbe, wie Dr. Wehr, wie hier sieht, in Niederland für dich, für so ein. Zu viel da drin, an und die Struvel-Peter, den Daumen, Lutscher, den Fang, den Ruf, Schliederkruut. Also, man muss ja auch da wirklich resonabel bleiben. Äh, den Mund an dass wir ein Pläsier, das kann man nicht vorstellen, beim Kant, bis fünf oder sechs Jahre, dass ein Remainer an Struvel-Peter Frankfurter Zeit Da ja? mhm. Das ist eins. Dann ist es die dann, sie valeon die ja an dem Pobei-Rast in den Minister de l'Education Nationale, mit der National Direktion von der Santé de hat, wo mir zwei Sessionn nicht Schriftführend fahren, aus der dort im Mimma kleingruppen an einem kleinen Gruppe, was mach, das kann er sich austauschen, das kann er sich nur kommen. Du do der doch mal nicht gerollt. Ich war vernünftig, doch Sechs

ja, nur bei denen von zehn oder zwölf kann ja einer sich ein sportlicher Spieler entdecken. Und das muss nicht viel machen. Das Freie ja, ist sie bei einer Reihe Junke von 15 oder 17 Jahren. Die kommen zu so viel und nicht, nicht mehr, weil sie <laughs> sind. Ja. ein wenn ich die jungen sind die zwei Meter, die sind einst wie zwei Zentimeter. Und da kann ja doch zum Leben. Mhm. Une autre question concerne le risque que, que, que la méfiance, que, que les enfants développent une méfiance envers euh, leurs camarades de classe. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez méf... qu Est-ce est -ce que cette méfiance les perturbe Je, je pense que la méfiance euh, est basée sur euh, un sentiment de danger non fixé sur quelque chose et je pense que une des grosses difficultés des enfants et d'autant plus qu'ils se développent autrement dans, dans, dans les centres de compétences c'est la compréhension d'un danger qui n'ont pas de représentation euh, physique euh, représentation correcte même si euh, il y a d'énormes initiatives très intéressantes d'essayer d'expliquer ce qu'est le coronavirus pour un enfant un enfant se construit sur ce qu'il voit mmh. sur ce qu'il expérimente et donc je pense que c'est très compliqué de pouvoir euh, pour un enfant aussi de se dire je ne vais pas à l'école. En général, quand l'enfant ne va pas à l'école, c'est qu'il est malade. Ici, il va à l'école ne... parce qu'il est en bonne santé et qu ne... que, que l'école risque d'être un lieu pour attraper la maladie. Donc, je pense que il faudra certainement euh, se baser sur. Moi, bon, je suis un adepte du biomimétisme, c'est-à-dire de dire que c'est dans la nature, au travers du support de la nature, que l'on peut comprendre ce danger invisible. Hein. Et je pense que le virus, c'est évidemment euh, ce qui menace, mais on vient après tout euh, d'un milieu bactérien. Et en quoi est-ce que les bactéries peuvent être quelque chose de puissant et de fort et de bon C'est toujours une question de juste équilibre. Euh, un enfant peut comprendre qu'il y a quelque chose de magique qui fait que le pain pousse et est bon à cuire, euh, ou qu'un yaourt te, te prend. Et je, je pense que c'est toujours essayer d'aider l'enfant au travers, en s'appuyant sur ce que la nature nous, nous, nous permet d'observer, d'essayer de faire comprendre à l'enfant ce sentiment-là. Et pour revenir à la question de la méfiance, c'est vraiment ça, c'est comment, euh, sur quel élément peut-on être méfiant Et de fixer sa peur sur quelque chose, notamment d'introduire des rituels comme se laver les mains, ça permet certainement de mieux contrôler l'angoisse, plutôt qu'une méfiance généralisée. Donc ça permet plutôt de contaminé. contrôler plutôt que de la favoriser parce qu'on pourrait je, je aussi pense. estimer que je ça pourrait que favoriser. Je pense que si c'est mis euh, en place comme ça mmh. a été dans le document aussi, l'idée de garder l'école euh, saine, non, non protégée. C'est surtout les passages et à l'entrée à l'école et, et que l'école continue à être un lieu d'expérimentation. Ça, ça me paraît très important. Mmh. Alors, la méfiance, c'est aussi euh, de retravailler avec les enfants sur les émotions de base. Hein. Qu'est-ce qu -ce que c'est la méfiance Est-ce que c'est la peur Est-ce que c'est la colère Est-ce que c'est l'angoisse euh, Et essayer d'aider l'enfant à pouvoir, euh, au travers d un, d un, de, de différencier ses, ses émotions, d'en faire un partage en groupe et pouvoir après se dire, mais voilà, la méfiance, quand elle est parlée, quand elle est échangée et quand elle est travaillée et fixée là où elle doit être faite, L'adulte prend son rôle de guide de l'enfant par rapport à ce sentiment de méfiance qu'il a certainement vécu dans son entourage immédiat. Mmh. Je pense qu'en ça, l'enseignant est un très bon euh, complément euh, de l'attitude des parents et de l'attitude générale de la société. Mais je pense qu'il faut le travailler au travers de supports, pas uniquement sur le corona, mais par rapport à des supports que la nature nous offre. Je pense que la nature nous donne beaucoup d'exemples de formes d'autoprotection euh, mmh. qu'elle qu permet d'observer. De, de, froh die dachse Dr Paul äh, vom Schulmaterial wo vo verschiedene Kanner äh, benutzt Spiel sind Holz, paarer Plastik Metall können Gesellschaftsspieler sind Büchercher die von einen Grab an den anderen wanderen du eng Infektionsgefurchfle er wahrscheinlich ordnet Dat wird man sichersinn, dass die Haupt iwwer droen durchch die minimalple vun der Luft sinn. an an den Länner wo dat gut kontroléiert asé an de Schoul an Däne mag die Luftfer seiw Mo opsinn, hunnet gehéiert nach de Lies, dat dore lore méi Infeioune sinn. muss nachtier machen, die dänesch Tanner sind net méi brav wie die letzeäch die Schweedisch Kanner sinn méi bra die let brä. Kan letscherweis kann. Er, kann er. das kann lo er net an den Hygienismus verfa letlicherweis as de Virus an demsinn net so dramatisch wie so tun. Denke, die verste kann, wie huet Flotte Beispiel vum Jourtt sovi Ba Jugendnner der Schmrte net mit dut de vu sche Strom. Tanner fustinen gut, da se net jeef ma am feiner an de St Stecker goen. Inzler wie ech ich hun dann tilste has, mennner Jorend anrer diewer mi braf hunn dat Flach nett je hest. méi en Reit tannner verstinen, wann no wo er bes Klore seet, dat do gehtet net, a van dat der beinem bei ch klorenz strukturanten tauung gesot nett. Mm. Mais via maté da, Est-ce est, est qu'il faut, oui. faut, oui. est qu faut désinfecter les, les, les matériaux qui sont utilisés par plusieurs oui. enfants pendant les cours, les jouets oui. C'est clair que là, les principes euh, pendant cette période, c'est de nettoyer au maximum ce qu'on peut nettoyer. Donc, je pense que tous les, tous les surfaces qui sont nettoyables, il faut nettoyer régulièrement. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'un enfant joue à un, à un Lego et passe la pièce, il faut tout de suite nettoyer. Ce n'est pas possible. Il faut garder un bon sens. Et je pense qu'il faut rester avec les principes de base. Si déjà on lave très régulièrement les mains des enfants, fonds si déjà on a des enfants fonds qui ne sont pas en train de tousser, qui n'ont pas de la fièvre et qui n'ont pas des symptômes. Voilà, le risque va rester quand même minime et de nouveau, comme on a vu dans les autres pays, voilà jusqu'à date on n'a pas vu dans les nouvelles épidémies de coronavirus liées à un échange de pièces de Lego dans une classe. Donc ça c'est très important et donc voilà, je crois qu'on doit rester dans le raisonnable. Ça ne veut pas dire que quand même il faut augmenter les mesures d'hygiène et donc forcément plus de nettoyage et favoriser peut-être les jouets. Qui sont lavables, qu'on peut nettoyer plutôt les choses qu'on ne peut pas nettoyer. Dans ce même contexte, Mme Sylvie Greten, institutrice à Pompierre, euh, se pose la question s'il est vraiment nécessaire de séparer strictement les jouets et les livres utilisés par les enfants des deux groupes différents d'une classe. Euh, il faut savoir que le premier groupe quitte les locaux le vendredi à 18h, mmh. au plus tard, et le deuxième groupe entre le lundi vers 8h. Ouais, Est-ce est que c'est strictum... -ce est une consigne -ce que Oui, d'accord, ouais. C'est strictement nécessaire. De nouveau, on est toujours avec ouais. les probabilités, les chances. Voilà. On sait que le virus peut survivre dans les, dans les matériels, dépendamment de la température, du type de surface, de, de, de la composition. Il peut survivre entre plusieurs heures, plusieurs jours. Dans le carton, on sait qu'il peut survivre, en tout cas, à 24 heures. Dans d'autres matériels, ça peut survivre quelques jours. Dans, probablement contre le vendredi 18h et le lundi 8h même s'il y a eu du virus les chances qu'il reste des de particules contagieuses sont extrêmement faibles maintenant voilà je pense qu'il faut rester dans des consignes cohérentes homogène et des choses qui sont applicables et de nouveau dans les probabilités et dans les choses qu'on peut jouer donc euh, en, enfin, dans les choses sur lesquelles on peut agir donc euh, on de garder un, pareil qu'on essaie de garder les mêmes groupes d'enfants ensemble garder le même matériel des enfants ensemble a quand même uh, beaucoup de sens même si effectivement entre le vendredi soir et le lundi matin même s'il y a eu des particules virales les chances qu'elles soient euh, contagieuses sont extrêmement faibles. Yeah. Yeah. Ministerial national Laness an de Minister santé hun zuleze wo ich een dans hege Standard gessä. E dans hege Niveau vu Protektiun fan das gut. Antoffen, dat on netlich ass an dat man en Mon zo so en ha hey, Lo matrarä. dat man dem hege Standard ofhängt, an dass en Dan so kann an einem Mount. Den Standard, der wird zu viel heißt, da können man sicher einen besseren Approche für letztlich und, zu und dann da lösen, lösen, zu drehen. Ich finde viel, wenn ich vergleiche mit den Obstländern, dass wir ein ganz höheres Hygien-Niveau, -Hygien Gruppen-Niveau gesagt haben. Und ich hoffe, dass die ganze Gesellschaft so verständlich ist, dass man es alleine machen können, so ein High das geht dann in die andere Richtung. Mhm. Uh, mis ich ein gewiss ungeduld bret bei den Lei die uh, gucken, uh, trau, man die spefik hun mache Schwe wat kann spefik mesure barrierieren net verstehen oder net anhalle können man dann macht äh, den kirschmengen sie äh, vu derasso association c summefir äh, inklusion äh, ich nicht, wie wie äh, äh, am besten lesfir op die frohen ze einfach die die Delever bis spezifik betreffe, weil effektiv stellt sich schon froh bei schwer Handikaperten as wahrscheinlich net meiglich, dass die just Barrieren respekteiert, dochschwer denen ze vermittelsinn, dass se net en keerper Attention Mäbild. als als die Lei, die sichateurducatrice an dem Fallhand. Die uns als Kerner, aus ein echtes Interesse sind. Dass da, wo wir so die Hunde schlechten Depart, sie sind einmal die Männer gefährdet und sind die, die am Zentrum, absoluten Zentrum von unserem Interesse sind. Sie sind zum Teil viel Männer gefährdet beim Covid, Wenn die an sie sind Männer gefährdend. Beispiel. De me Fels mat en 2 meter Gros Er Liter Longen, a an den Haufft do fle en Partikel vumleefréieren vum Taktusbilläitide Kaisreieren. Van vun ei sekle Hun als se kleine Männer, de assche Rollstu lass, nu kom er Liter Longen op b 20 heich dat ditet net vun dem Ta bis bei de Chase. Das will ich würde mich viel mit dem Wunsch bildlich darstellen. Die Kanadier die Luxuja beinträchtigen, die leider, Gottes, viele Männer spontan sozial kontaktieren. Die nicht dann spielen, nicht an Fußball, sie nicht dort können sich mit Faschen, sie nicht dort viel Platz. Sind. Bei freiwillig pompchen vujana oft Sie sind normalerweise ganz kleine Gruppen. Sie fuhren mit Bussen vom saales zu zwei oder zu drei wo die zu 30 drei sind Sie und Gruppen, wo sie zu Feier sind, zu sechs sind, vujana war Klassenhund hatten. Von oder von zwanzig. Sie hun, Zwei Edukatrissen für sechs Kanner, wurden je nach Geografie-Sprof in der 6. Klasse von 25. Dafür, sie haben viel mehr Risiko für gefährdet zu Durch Kontakt, die sie mit uns also wissen, weil das Problem ist, dass sie nicht wissen, dass das, wenn Dr. Della Fuente es also erklärt hat, wir infizieren Kanner. Und sie infizieren sie auch viel Männer als wissen, weil sie Männer austauschen können. Dafür, es Absolut und zu sagen, so dass ich nicht mit dir auf die 3 nehmen oder nicht mit dir in die Dreier an einer Gesellschaft, weil die Mast nicht hält. Das du nicht stellst dich vor auch vielleicht aus der Sicht der vom Edukateurs, den einen Umstand sich auf dem man näher dann umzustechen. Und das ist so: eine Geografie, die 6 Klasse von 25 Schülern hat, bedingt 150 zill Viträger die gut hafte kë. an den Edduteur de Gruppe vuën Kanner huet, de bedentën Kanner. statiistischesche mm -hmm. Pecht as se vun deën Kanner virusräger as net nulls äers klein. Mm -hmm. Defir.cher hetet ass de Geografiesprof viel méidefädet vi den den an ennner äh, kleine Gruppes. un centre de compétences. Madame de la vous, vous voulez rajouter quelque chose Non, je pense non. que le docteur Pauli a, a très bien répondu à la question. Euh, voilà, c'est évident que certains enfants ne pourront pas garder le, le masque et des consignes vont être plus difficiles. C'est la même chose pour les tout petits enfants et pour certains enfants plus grands avec des besoins spécifiques. Mais c'est toujours voilà, la question de, de la mesure de risque, ça reste, ça reste faible, il n'est pas nul malheureusement, mais c'est dans la situation de, de la vie de tous les jours, mais le risque reste faible. De nouveau, si on reste dans des, des petits groupes, euh, si dans certaines situations... Euh, voilà, il faudra plus se laver les mains. Il faudra peut-être s'enseigner un, un, à un, un, un certain moment. C'est clair qu'il faut porter un masque Il y a des, des, euh, des, des moments de proximité. Mais autrement, euh, le risque est beaucoup plus petit dans ces classes avec peu d'élèves, avec moins de sociabilisation de, de ces enfants à, à d'autres moments de la vie probablement de l'enseignant, euh, dans les supermarchés, on a l'heure à la poste, les, les transports en commun, mmh. où on va être en contact avec des adultes beaucoup plus euh, sécréteurs beaucoup plus contagieux et qui ont beaucoup plus de contacts euh, eux-mêmes. On... Mais... Je rajouterais simplement qu'on sait que pour les enfants qui ont des difficultés de, de développement, c'est le résultat d'un long apprentissage, l'acquisition d'un nouveau comportement. Et je pense que... Les recommandations doivent certainement s'appliquer au personnel eux-mêmes, qui sont d'ailleurs un exemple et qui sont le référent dans, dans, dans le milieu scolaire, mais que les mesures barrières sont des comportements à acquérir. Et Je pense que ce sera, à mon avis, la réalité dans le quotidien de, de l'enfant. On ne va pas pouvoir lui demander, en fonction de son degré de compréhension et, et d'exécution de, de certaines tâches, de devoir acquérir d'emblée ces comportements barrières. Donc je pense qu'il faut. le Pervoir kom an Ich wo nach matop so wie Punkt, wenn die nochëmmeremhéiert.ffir ko ein Bau macht zo net den Numm.wer sich fëlle 100 Kleid an dem Bau macht. wenn man 140 Leiit, die de Mast ënnert der nu dro. 140it ein Plaiz Handrum, mat dem alle so de Partner anë derfumeln. Denn Herr Meisch, du weißt, ein Ziffernachsend, wie viel kann er besorgen, spezifisch äh, als eine Klasse Sinner, die die Maske nicht verdrohen. Wir sind doch solche Männer, wie die, die durch den normalen Baumarkt nicht Dafür An einer Gesellschaft muss ich ponderieren. Wenn wir das nicht fertig bringen, dann sind wir keine Gesellschaft. Wir machen eine Gesellschaft. Euh, une question, je, je, je ne sais pas si les médecins ont une réponse à cette question, mais je vais peut-être vous la poser, M. Vervier. Euh, que faire pour rattraper le temps perdu avec ces enfants à besoins spécifiques qui ont sans doute plus souffert, souffert davantage sous ces quelques semaines ou plusieurs semaines euh, euh, de, 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 de congés forcés que d'autres enfants qui ont pu bénéficier d'un homeschooling ou je ne sais pas quoi, de cours par Internet je pense qu'il est probablement illusoire d'espérer qu'on va récupérer euh, ce temps, peut-être des apprentissages perdus, mais peut-être qu'il faut pouvoir, euh, dans toute situation compliquée, en voir le bénéfice et que le partenariat entre les parents et euh, les enseignants va pouvoir être renforcé et de partir comme euh, enseignant. Euh, de pouvoir s'interroger ou d'interroger le parent, de savoir ce, qui, ce que l'enfant a pu apprendre dans les moments de confinement pour pouvoir greffer un apprentissage. Je pense que ça, c'est une des grandes leçons de cette épreuve très compliquée, mais qu'il faut accepter que ça va laisser des dégâts, ça va laisser des retards mmh. dans les apprentissages. La possibilité peut-être que les parents, les enseignants et les professionnels euh, annexes puissent travailler beaucoup plus ensemble. Et je pense que c'est... Important de pouvoir garder pour l'enfant à besoin spécifique une notion du développement qui est référencée à l'enfant et pas au niveau d'une norme de façon générale, mais d'essayer de centrer plutôt des buts réalistes à atteindre euh, qui soient peut-être euh, construits de façon en, dans une collaboration plus étroite entre les parents, les enseignants et les professionnels de proximité parce qu'il y a aussi énormément d'éducateurs, d'accompagnants de, 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 à la maison, et que ce travail de réseau, on sait que c'est ça qui permet d'évaluer l'efficience, l'efficacité des, des mesures, c'est la cohérence des interventions entre les parents, les professionnels, euh, les éducateurs et euh, les enseignants. Mmh. Donc je pense que, je pense que cette euh, crise va pouvoir nous permettre de penser autrement, de façon plus complète, de façon plus complémentaire euh, les interventions entre les uns et les autres. Mais il faut accepter que toute une série d'apprentissages ne seront pas acquis, mais aunéfice d'une expérience de vie peut cas wie les wie autres eng man von einem kann höher beschädigigung weiß trop hin dass hier kant Drgewiesen hastlüsen von gesehen wir können oft sie lesen die person vis wie eng alternativ zum zu mask. Diese sind immens desareabel, wie den Dr della Fo se mit die Windin mhm. mhm. so vielesläft Glas so van viel se Gudouuge Frau das also en Mlich an Musikenausnahme me. Das TV neist, den nie nie vielsä fährt, an niewer der so rä fährt. Okay. Euh, une question qui, là, sans doute s'adresse à vous, M. Vervier. Euh, comment travailler avec des enfants autistes qui ont été considérés vulnérables et qui, par, conséqu euh, par conséquent, n'iront plus à l'école? Comment travailler sur les liens sociaux, sachant qu'il s'agit d'enfants avec lesquels les appels vidéo sont très difficiles? C'est une question très compliquée. Je pense que. On a découvert euh, que le travail de téléconsultation, de téléintervention, y compris pour les éducateurs, euh, pouvait également fonctionner. En tout cas, euh, fonctionne à partir du moment où il existe déjà un lien préétabli entre l'enfant et l'éducateur le ou entre la, la, la structure et, et, et la famille. Hein, ça, c'est un préalable qui est tout à fait nécessaire. Je pense que ce qu'on appelle maintenant le présentiel est tout à fait nécessaire pour construire une, une intervention. Mais quand le lien est solide, euh, les rééducateurs ont développé des trésors de créativité pour essayer d'utiliser, de transmettre des outils aux parents pour euh, tenter euh, qu'ils puissent l'appliquer dans leur quotidien. Mais néanmoins, je pense que, et c'est ça aussi le but de notre préoccupation, c'est que... Ce qui permet de, développer, de dépasser cette vulnérabilité de, de l'enfant autiste, c'est justement la multiplicité des liens euh, et l'école en fait certainement euh, bien partie. donc euh, on ne peut pas tout réduire à ça non plus. Donc je pense que le travail en direct euh, avec l'enfant autiste en direct est tout à fait nécessaire. Il y a des initiatives intéressantes euh, d'enseignants et je pense au CTSA où je suis consultant d'enseignants qui très courageusement y incluent dans les vacances scolaires, euh, ont fait des activités avec les enfants dans euh, le cadre scolaire ou par, euh, dans, dans les cadres de, de la maison ou dans, en proposant des sorties de, de, de façon très complémentaire. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait intéressant. mais c'est clair que l'enfant autiste va progresser dans un environnement euh, multiple avec différents référents, et où la structuration de l'espace, du temps, euh, de la ritualisation, l'usage du matériel est extrêmement important. Et c'est vrai que ça pose des questions énormes euh, en termes de prise en charge qui vont être extrêmement compliquées. Mmh. La distance sociale, euh, l'idée du port de masque pour un enfant autiste, euh, je pense que c'est une question très, très difficile parce que c'est... Certainement lui enlever la possibilité euh, d'avoir une communication minimum puisque tout le langage infraverbal est quand même très très et ça risque aussi si on, 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 appuie, on applique les mesures trop de façon trop rigoureuse de provoquer des crises, de provoquer des régressions, de provoquer des difficultés. Bien sûr, mm -hmm. donc je pense qu'il faut, euh, de, qu faut une mesure dans la mise en place de, des mesures barrières pour ces enfants-là. Bien sûr. Do de la Fuente oder die verschiedene Kanner Dotter helfen da so den mat Tans Autist an as vulnerabelklasseierttin. Fi un ennem Mount hat, hat mar méi bedenken Puo Vnerabilitéit wie lo an Kain wann die, die Mam do beiiere Kanner Dotterrät gehtet oder mat dem Dr. de Foente Kanner Do schwtzt, dass sie vielleicht so herausfinden, dass als Ängste von Doktoren für einen Mond und einen halben Mond mit der Vulnerabilität nicht mehr platziert sind und dass ein Ava kann an die Spezialseher-Schule gehen. Wir waren für einen Mond und haben die Leute, die man direkt dauernd mit covid internationalen Relationen hatte, waren wir viel mehr viel

Das Gesuch hat dort die Widersprüche. Ich die Leute bis nach der Natur von der Sache einfach, weil die Wissenschaft ist da. Mm. Ja, c'est très important. En september, c'est possible qu'on aura une liste tout à fait différente. Oder ja. peut-être qu'il y aura même aucun enfant qui sera sur cette liste de vulnérabilité. Uh, voilà, on va s'adapter à l'évolution des choses. Daniel Schmidfried darf in Kanner wirklich nicht mit Madney spielen. Wir treiben hier in Josu für den Rest von ihrer Schulzeit in Ekelandschule. Input transcript corrected: will ich auch einfach mal eine Person sehen, sieht, dass sie nicht die auf dem spielen. Also, ich meine, das steht auch näher in der Saison. Ich merke momentan, dass aber eine Reihe von den Sicherheitsmissionen, die wir holen, wo wir vielleicht auch wirklich probieren, als ob die ganz sicher immer zu stellen, dass die auch nachher überinterpretiert gehen. Schon für Drunn, ich komme gerade aus der Schambe, nachher gestaltet, schon ähnlich vorgestaltet, gestaltet. ich gesagt: Ja, dachte ist wohl derf gespielt kind du sind noch Spielplatzen die der we nutzen mir gi net alle gute Made hinne da gi e Gruppe no Männeren hinne an de spielt an geht er fort erscheieren och kruele so Sachen äh, wann man ges dat vorgestaltet muss net no all gro dann remmenker Spielplatz desinfizeiert gibt ré as am Gangen dawer er dat man schon als ganz hegetor der hunn nach Enkewillllen ze erweiteren, aus en Feerstellung, dat datfle nach mei lle. An do muss man de bon wie Drge genauso wo lle aspark spielen. mir wüssen, wat de kanngie er verfehlen. wenn sie nicht mit hinten spielen könnten. Wir sind eigentlich ganz ungewiss, und das würde den auch noch eigentlich das Risiko, als äh, ein paar Covid-19, wand sie spielen. Mhm. Darf man da bei uns zu picknicken, wann kann er sich hierhern für drum mit Lergetten aufmachen, Fred Peggy Reisdorf. Darf man da kann er etwas so sind zum Beispiel geschälten Äpfel oder Wurzeln oder aus das auch da das ein Frau von Karin Kaiser, Dr. Pauli. Ich will mal so hören sein. Nein, also ganz seriös. Es sind so kleine Gruppen. Und ich denke, die haben auch Familie, weil sie vielleicht mal nicht hier sind. Und ich hoffe, dass man die Familie nicht, nicht äh, steril zerweht, dass man das sie nach eine Runde Römer durchsetzen kann. nicht in durch. Und ich verstehe die Frage natürlich ganz gut. Weil, was tun wir damit? Wir haben eine Doktorin, wir haben für drei Männer alle Menschen so viel Angst gemacht dass man akzeptiert hat, wenn zwei Menschen direkt an diesen Häusern sind. Sie dürfen auch oben durch die Spachträume auf der Straße mit dem Fahrrad Ich meine, du hast vielleicht nicht die Doppelfranz gestaltet. Du hast nicht viel Master gesehen und nicht viel große Distanzen Du darfst mit dir auf dem Neuland nicht an der Schule ein Purismus haben, ein Detriment von der Entwicklung des Kandas, das man für die Rechte des Lebens nicht hat. Natürlich dürfen hm. sie und sie müssen ihr sein. Ja. Das ist jetzt ein kleiner wir kommen dann, das ist ein bisschen eine bei einer Konsequenz vom ersten. Also am Prekos, wie auch nach zum Deal am C1, brauchen keine Hülle, wenn sie auf die Toilette gehen. Weil ein Viersichtsmuss, muss sie in Hilfe, wenn sie in der Kante auf der Toilette aufbotzt, Fried Veronique Jardin äh, von, aus dem äh, Gruppe Prekos von, von Schöffling. A verschiedene kann hat noch nach Pampers und aufwand muss sie in du aufpassen, wenn sie das wissen, Dr. Pauli. Point Rebellion. Seht ihr? Das viel. Das viel, was sie vielleicht nicht gewollt haben. ist gehe an die Schulen daran, du hast irgendein Fisch durch, das nenne ich Fisch durch ein Wort drauf, wie die Woche für drin. Dürfen war von Loh und Allmensch sich feinere Wäsche, wenn man dann Kant auf Toilette geht, an Dorn, wenn man dann vorbei sich so drücken möchte, dann haben mal einen Kantosprung gemacht. Ich habe irgendwo für die Woche eine gesinn dass it auch an enger Gemeng soll schwierig sind wie nicht genau wo für das wann eine Kanze jarinks vergis dass dann nicht erlaubt wer Wasser vom Grund zu trinken das kein offiziell ist schon noch froh gestaltet ausgrün überhauptkunde Wasser hast überhaupt, ja, wirklich äh, sicher, mit Sinn an der ungewü f die momentane bisssen dran als der se situation die man sagt, als gut zwe menieren die mir zu Lützeburgsche gudet kennen fä an andere regionen op der welt äh, wo den erfahrung äh, oder man unterstellt den sich allen me froh doch kein froh die umnü also die d so soll lachen oder die so sollruf machen man sollen

so ja as wisschte statt kann er nicht an normal leben zurückkommen mehr man mussten auf der andere Seite auch gucken dass man sie progeieren dass man die professionelle seine und eukateuren äh, progeieren und mal gucken darüber Verredung von virus nicht en zu schnell datnummer der muss auch über die nächsten wo muss weiter auf wie gehen und da kann er durchaus sind wie dr pauli gest dass das oder hat auchmänke froh gestaltet von denen demä hoffen, dat man mé Freiheit nach krehen, dat man mé Normalität nachen schrittweise an den nächsten Wochen, dat man final mé Erkenntnis kreen. wer der Virus an heersmenlo schon ugedeit, dat man hat mé wissen. die Auswirkungen auf Kanner können sind, aber wie kann Kanner an der Verbreitung von dem Virus äh, Covid-19 können, können Spiele wie man für einen zwei Mal, zwei Mal wusste, wo man die Schulen zugemacht hat, hätte man das wahrscheinlich damals schon alles gewusst. Hat man gewusst, dass Covid-19 nicht so unterschiedlich wie Iva Kanner, so schnell geht verbreiten, Kanner, über Schulen, über Krechen, wie das bei der Influenza bei der normalen Grippe der Fall ist.

très bonne question euh, il y a eu des études donc il y a des, des gens qui se sont amusés ont interrogé, qui, qui ont analysé les larmes et je pense à date il n'y a pas des preuves qu'il y a vraiment euh, des particules virales dans les larmes, c'est possible j'ai un doute, il faudrait que je, je relise et je pourrais vous répondre mmh. par mail je, ça se peut, il me semble dans une dans une étude en, en Chine où il s'avait trouvé par, par PCR mais de nouveau il faut se laver les mains, donc de toute façon de principe si un enfant nécessite d'être consolé, en tant que pédiatre, il faut garder son bon sens. Et s'il faut, il faut quand même pouvoir consoler un enfant. Ça me semble mm. extrêmement important. Il faut bien se laver les mains après. Trich, tu also alert Dr. Pauli. Une tante qui crie, elle s'éloigne aussi. Vous savez, il y a un virus qui s'éloigne. De mm -hmm. Dr. Delafonte, c'est une lacune qui est en train d'être une lacune. Il y a plus de monde qui ne je ne peux pas le faire. Je pense que nous avons déjà une grosse tour de la Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Je me suis dit que j'avais une Un gros complexe, que nous n'avons pas abordé, c'est les conséquences du, du, du confinement. Um, Est-ce que ce confinement a fait en sorte que les compétences social des enfants euh, ont, ont, ont souffert. La situation du confinement, je pense, a révélé des fragilités comme des compétences. Euh, je pense que la réponse doit être très nuancée. Je pense que la situation de confinement dépend très fort des conditions euh, du confinement euh, par rapport au développement des compétences sociales. Je pense que beaucoup de familles témoignent aussi que cette situation de confinement leur a permis de révéler des compétences, des, des, des possibilités d'aménagement, de, de disponibilité plus grande euh, pour leurs enfants, qui ont été très favorables pour eux aussi. Euh, je pense qu'il ne faut pas tout de suite être dans une optique alarmiste vis-à-vis euh, -vis de ça. Je pense que les enfants ont l'art, euh, un peu comme la nature, de mettre en, entre parenthèses des compétences qu'ils ne demandent qu'à être réactivées en sachant que ce confinement a une durée limitée. Je pense que savoir se projeter dans un, une temporalité de reprise de contact permet à l'enfant et à la famille de développer des stratégies relationnelles par distance qui sont autres, mais je pense que les compétences de l'enfant à la socialisation sont inhérentes au développement. On connaît bien que... L'attachement est, est un instinct, c'est l'idée que l'enfant puisse créer, et nous comme adultes, toute notre vie, des relations importantes et nourrissantes, et que cette capacité d'attachement existe à tous les âges, qu'elle ne demande qu'à être activée pour autant que le contexte environnemental soit, soit, soit favorable. Et c'est pour ça que je pense que la reprise d'une socialisation minimum est tout à fait nécessaire, tout à fait fondamentale. D'autant plus que l'enfant a probablement aussi des difficultés euh, de les mettre en place dans un environnement euh, normal et qu'il faut de temps en temps adapter l'environnement pour que ces compétences d'attachement, que ces liens puissent être construits et leur donner cette sécurité intérieure que l'enfant a besoin. Est-ce que, est est que vous recommanderiez aux, aux instituts aux instituteurs euh, de parler de ce confinement des expériences vécues par les enfants absolument absolument de pouvoir en discuter mais de, avec une écoute ouverte je pense que on a trop tendance comme adulte à anticiper la réponse de l'enfant et à provoquer ce que l'on voudrait entendre dire par l'enfant euh, je pense que les enfants ont beaucoup à nous apprendre sur les situations de, de, de confinement. Peut-être pas de façon directe, mais comme je le disais tout à l'heure, au travers de médias, au travers d'histoires, de, euh, de contes, où les enfants peuvent s'identifier à un personnage et peuvent traduire euh, des sentiments ambivalents. Mais je pense que, les, que les, les enfants sont très nuancés par rapport à ça. Mmh. Qu'ils ont cette, cette potentialité d'ouverture aux autres, de, 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 de relation, de pouvoir créer et de garder une confiance dans l'avenir qui, qui est assez remarquable. Mais c'est clair que les enfants réagissent aussi, sont en résonance par rapport à leur environnement. Et donc euh, c'est pour ça qu'il faut à la fois rassurer et donner confiance et une sécurité aux enseignants, mais aussi aux parents, pour qu'ils puissent vraiment euh, adhérer au projet, que c'est l'enfant, c'est la place de l'enfant à l'école, euh, et que cette étape doit être anticipée. Et je pense que ça doit être parlé dans les deux sens. Mmh. Euh, à la fois cette possibilité de la reprise de l'école qui ne sera pas comme avant. Il ne faut pas non plus leurrer l'enfant. L'enfant n'est pas, <laughs> pas bête. Il va, il va s'en rendre compte aussi. Et une écoute euh, active, quand elle est, euh, disons, organisée dans un temps et avec euh, un scénario euh, clair anticipé où l'enfant peut à la fois prendre la parole mais aussi se taire. Mmh. Euh, de respecter la temporalité de l'enfant pour exprimer ce qui s'est passé, ça me semble tout à fait favorable et tout à fait intéressant. Pour autant qu'on ne fasse pas de la psychologie sauvage sans, 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 sans barrière, mais je pense que c'est tout à fait intéressant. En étant ouvert au travers de médias, au travers de supports comme les histoires, de pouvoir partager, de s'identifier au travers d'un personnage et puis s'identifier entre soi aussi sur des expériences complémentaires. Donc je pense que ces groupes de parole seront terriblement importants. Mmh. Euh, bien sûr, hein, mais ils ne doivent pas prendre toute la place, mais doivent être structurés dans un programme et mis en place dans un horaire scolaire, euh, pour autant que le temps le permet, parce qu'évidemment, mmh. quand on, euh, il reste 17, <laughs> 17 jours d'école <laughs> ouais, ouais, ouais. réelle, c'est compliqué, mais je pense que c'est vraiment intéressant. c'est très important de faire pour les qui schaft doch versto dasriecht penible an der Kliniken zu schaffen mit all den nabestimmungen immer net gut op ich ver muss selber 10 Minuten hein durch mein Portik bis ich endlichstru der Ste hunschaffe Gott ichste all die Lehrpersonal lochslos mat denen feiert sie seit Bestimmungen die mich durchkommen, dass ich dielever verbgroven er werde bis Riveras dat aus Mlech. etwas immens damit wird. Äh, ich sehe ein paar Familien, die sind komplett äh, aus dem Rhythmus heraus. Kann man machen? Weiß nicht. Dann nehme ich zusammen mit dir, Jidren hält an seinem Moment, äh, besteht hier gemeinsame Ritual mehr. und die Perspektive auch für die Leute dass das Menschen nicht nur für das Professionelle, ich von meiner Plätze zu aber auch für die Familien, aber nicht nur für zwei 2 d schwer wie so Tolége vum Ensement, Herr Meich Merzi datnom er fir zwe dechte mat huet. Et dat remintjier e äh, liewen, woi muss opstoen, woi app besmech et jeden anchoul, Et held de Schoul Mersinn net den Dmaster Webmaster et held de Schoul etliefden apps mat tolegent. Wa mar optimistisch sinn, dat so er mat de Vi verschwent an Di dann zu sppu do vu méi jui Juli den mmer dann definitiv fo Di mat all de äh, filiieren a won Diwer a wonwers. Fan der war vertleit doch got Kasinn äh, am September na Rëmmer de Virus do as, da war den immens Übungsroll Fja, so, dat doten datëmmer fo Dissen dat net machtbar dat, dat, dat dotteëmmer ma verberen a am rich de 14. September do mat den no feinten. Da mamer ma all die Ioismusen die mar lo nach net wëssen, da fät man se de moment dun, a wo meist Doson als Dotrin September Oktober do ken schnappensheit do ken Fzeit Lo ma ball soen wien Drtter della Fo se fan denrakten des moment ankli matéwer mat hoft, da mammer de CoVvid automatisch me am Oktober. Da kommen all die normal Viren erëm, a meist da muss die froh stellenmun en immens Übung Mäßigkeit für die nächsten Wochen. Ich hoffe, dass wir am September mehr brauchen. Wir sind immer fit. Vielleicht, werde zu der Konklusion, Minister Claude Meisch kommen. Will ich trotzdem nach ein bisschen mehr gehen? Münster, tour gedreht, lo. vielleicht gehen es ja Massagen, die da trotzdem nach Weltlast gehen als Doktorin, Ob die da lo nöd ugeschwät gisit? Es gibt Reste an Message, die wir gerne machen Dr. de la Fuente. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes tous ensemble. Et effectivement, nous n'avons pas toutes les réponses. Euh, nous serons peut-être en septembre euh, encore plus de réponses ou d'autres réponses. Mais je crois que ce qui est important et surtout ceux qui sont maintenant ici réunis et je pense à, avec qui en échange aujourd'hui, donc surtout les enseignants et les parents, c'est que on est ensemble, on cherche ce qui est mieux pour les enfants. Et nous, on parle en tant que professionnelle en tant que médecin, mais également en tant que parent. Donc, forcément, c'est de trouver un équilibre et des, des, des réponses de bon sens qui vont finalement en faveur de, de, de nos enfants. Et je crois que c'était un petit peu ce qu'on essayait de, de, de discuter aujourd'hui, c'est qu'on n'aura pas toutes les réponses, mais on a quand même suffisamment d'arguments et de sécurité et de nécessité pour ces enfants de retourner maintenant en, en société, de retourner à l'école, que nous sommes suffisamment convaincu et suffisamment euh, positif pour ce, pour ce retour, mais on doit faire ça tous tous ensemble en communiquant. On va devoir rester euh, euh, attentif mais également inventif, mmh. <laughs> nous s'adapter à ce qui va arriver dans les, les prochaines semaines, mais je crois que c'est un travail euh, ensemble parce que c'est dans, dans notre intérêt, l'intérêt des enfants et qui reste l'intérêt de nous tous. Docteur oui, moi je pense aussi que euh, j'ai confiance dans cette solidarité euh, collective mmh. et que c'est extrêmement important. On s'est tous rendu compte que euh, c'est ensemble qu'on voulait pouvoir dépasser ce moment difficile. Je rajouterais quand même euh, cette sensibilité, ce souci euh, à, aux enfants vulnérables de façon générale. Je pense que M. Maïch a initié aussi et a prolongé une politique. De pouvoir prendre en compte justement les enfants différents, je pense qu'il ne faut certainement pas oublier les enfants à en besoins spécifiques, euh, et je pense que c'est un message très important, euh, et que bien sûr euh, c'est ces enfants-là qui font l'objet de toute notre attention, comme pédiatre, comme pédopsychiatre, de, de façon générale, et ça, ça me semble un message très important. Dr. Pauli, vous weil sonst dürfen Kinder nicht mehr spielen. Mm -hmm. Die sind Challenge von Pandemie herum, die sie nicht Kinder, Kinder müssen spielen. Die andere Seite dass wir mm -hmm. Eltern von Kindern mit spezifischen Besuchen man erkennt, weil doch die Maske nicht hält. Er erkennt, weil man auf der Maske steht. Er erkennt, weil man will schmusen, weil da das Wohl kommt. Auf dieser dann? Äh kommt definitiv bei den Claude Meisch, Just weil ich etwas viel lese, war der Just Kein Froh, mehr einfach mal ein großes Merci. Äh, und die drei Doktoren für die konkret und einfach verständliche Erklärungen hätte man die Diskussion. Du am Anfang von der Präparative vom Deconfinement gemacht, hätte viel Ängsten an auch Misere könnte. Du hat schreibt Nancy Braun, Koordinatorin äh, vom Zyklus -E Einbruch.

kö wird nach notwendiger wird dann noch Eneke überdriven also der auch an engemspannnnungsverhältnis äh, von ganz unterschiedliche Mäen an, an viele auch die an der Gesellschaft präsent sind Dat geht von ennger zurückheungen von, von angst Fusurgen äh, Angstführung dem virusrus die verständlich ist, weil, die, dass, dass, alle Gu verbre über die bleibt daheim, passt op dass du nicht krank ist die Angst die asner immer do op der andere Seite all oder dersicht dat man so wie ma, lo vorsehen, man lo 2 Me vorsinn, könne man net weiter an desicht könnte net ni an de Scholen, die extra besoen. diekli gesellschaftlich allgemeng, dat der dortten lieve jo net kann, äh, kann spieren dat vunnen speieren man der Sozialwe man datwirtschaftlecht dat liewen dat gilt ochfir Scholen. Äh, du äh, also dann aber auch äh, ja na of zuweilen wie vielschritt an äh, wie kö man dann logo und, äh, wie bewegen meist sicher zurück an eng normalität ran und der schritt von äh, minddestadt also ganz wichtig äh, schreibt äh, an, an den extrem komplex äh, gewählt dann den also tau dochner immer ein noch ni warfte vu allem die Lei um, terraintätigsinn äh, die dann direkte Kontaktma Maikanner sind dans undteuren ja, äh, do och äh, mir ganz viel zu summen ha Gemengen autoritätigen äh, geschaffträger vu der maisonen äh, geschafft Bereiber von den äh, de kréche geschafft dat, an der hat an eng extrem en Zeitkader wo man ganz schneller wo zu summen du miss decisionen hullen an die lo na an der umsetzung sinn anvi vun äh, men Mo echt aber bis du hinble auch nach ganz ganz viel äh, zu me an der spese aber dat zwo schi sech Tan und Edteuren tären an noch Schüler äh, firem zurück an Show äh, ze kommen ofwand nach wie ernst daswert sinn mit dat dat auscht dat leitesumme kommt der Juncker bei nee kommen an der den du hin och gehtfir. Erfahrung zu Mäner nochfir zu leieren, äh, datär de Mäenech ab Ohrem Präsenzen die sieht die sieht viel kritisiertiert gegen doch gewissen Druckmerk wurden der poli gefckelt das dann auch chlor dassschuldpflicht äh, gilt denken nicht dass wir all die kann die kein variablebel ex die sind auch superpos sehr dann Schul da können auch nicht für e kannside weil sie mengen weil sich nicht wohl viele also da tun ich immer ganz klar nach ja. äh, warnet sicher als muss auch wann nicht mhm. nur

Uh, pädagogisch neiierung mm -hmm. behind ädagogik der do äh, die die mesure die die ofstandsregelen de social distancing Prinzip dem hat enr pädagogik net vereinbar ähm, muss man immer auch der dort frohzustellen sind davoniw überzeugt statt man her noleiten äh, der 15. Juli wenn man klo war kann ernst wirklich hoffe wenn allessetzen der 15 september bei der nächste rentre äh, wirklich so 100zen normalität zu run einfach ganz ganz nur darüber das aber an dem Sinn auch schon äh... Ein bisschen einen Testlauf. Äh, die pure, sehr effektiv die gesucht für die Schule, die ich Gott, für was die ganzen Tralala. Mit das auch eine wichtige Zeit, mal davon aufgesehen, das dass es gut ist für keiner, aus den Gründen, die ich in Lang und Larsch durchgelegt habe, für immer an die Schule zu gehen. Äh, also, es einfach, einfach auch gut für können, die Dispositionen durchzutesten. Also ich, ich denke, für alle ist extrem wichtig, auch wenn es nur eine pure Woche sind, weil ihr seht, es sind drei oder vier Wochen, für keiner, wo der an die Schule gehen, es unterbricht die sechs Monate. da das och dat wischteme stiick normalität ze reg an sechs main kannner do heben sechs main ke sechs ke kontakt matt kollege ke kontaktma sei dat dat virkes dramatisch an et gtt als me geht ze leere ze leeren we man mat dem virus have to mge et kannsinn dat man dat die war langer zeit nach musssse mechen mat dem virus liewen an wa man als alle got weiter verstoppen an assperren An, an dem Virus fortläfen da lehere man net mat demë ze go, er muss noch als Scholehere mat dem M. Ähm dat werte man der Merrmerlob Ech hun äh, ssen Optimismus of wann ich gesinn, wie größt opbregung wär äh, doofflolosklasse träge an Scholl kommen sinn wie de Seundärrekommmers, si nach Kommike gemmerk, gin bleif do, man äh, ergitnneënne äh, hinner Ech mengen dat man äh, nächste Menge nicht dëchte gesinn, dat dat wohl ernst das as vu komplex auss nett silech net immermmer dat wenn man als alle go te geige wwwennschen, wie dat et awer gutwert funktioniereieren g Brepaett wo frohen damit ich äh, diskutieren können hoffentlich auch be einfache könne wann er froh und nicht as äh, dann kann esziehen ich gut ob jede fall gesucht das probiert gö ich persönlich zu einfach per e-Mail gibt raus en rubrik frequently erst questions umzieht vom minister von der Education national mln.lu gibt ein helpline vom minister der das den 890 90 8200 also könnt urufen wann Loh engfro trotzdem nach bleibt ob der weil er ist so ein äh, große merci ich hoffe auch am nun von ihr all, und die drei doktoren die drei Kandoin äh, sehr an denukasminister äh, Clade me und die ganz technische gibt die Datei geho meiner realisieren merci viel